Pour eux, les vacances s'annonçaient formidables. Un hôtel charmant, une piscine, un lac magnifique et un arbre centenaire avec une cabane. Bienvenue au Nautilus Hotel. Pourtant, ils avaient oublié un petit détail. Lui. Mais vous avez pas le droit de squatter notre arbre. Si on mettait des orties au bout d'un bâton, ça, c'est efficace. Ouais, on va les éclater. Ouais, les enfants. Ça serait moi, je les laisserais. Je vous déconseille vivement de laisser vos enfants jouer sur l'arbre de la maison du pendu. Pitié, nous arrosez pas. Vous allez vraiment chialer. On est mort. On l'a vidé, on l'a rempli. Quel est le con qui a vidé la piscine? Martin. C'est une catastrophe, hein. C'est pas ma faute. Surprise. Étienne, votre chapeau. Je suis désolé. Ça n'a aucune importance, elle était foutue. Qui a fermé le coffre? C'est moi, monsieur. Les clés sont à l'intérieur. T'es vraiment un emmerdeur. C'est pas ma faute. Pardon, pardon. Mieux vaut le voir au cinéma que de l'avoir en vacances avec vous. Privé de télé jusqu'à Noël. Ras-le-bol, cette année, pas de poney. Pensionnaire au deuxième trimestre si la barre n'est pas redressée. Il est l'instigateur, le meneur. Qu'est-ce qu'on fait? On l'abandonne au bord de l'autoroute ou on le noie? Fais pas comme moi. Prends le bon chemin. C'est une bouée privée. Tu touches pas à la bouée. Ce gosse a le diable au corps. C'est pas ma faute. Les adultes sont interdits.